Bonjour les VPPL. Bienvenue à Feur Chambéon. Allez, on va aller faire un petit tour à Villefranche. Je vous emmène. On arrive au point d'arrêt Alpha, devant nous le TR-200 de mon ami Loulou. C'est un voltigeur de grand talent, faudra que je vous emmène un jour dans son avion. On pénètre et on remonte le taxiway pour la piste 33. Alignement et décollage en 33. Plein gaz, le moteur prend 2300 tours, on poursuit le décollage. Devant nous, la ville de Feur. On survole les montagnes du matin. La trace blanche, là dans l'axe, c'est la ville de Villefranche vers laquelle on se dirige. Nous voilà verticale Villefranche, on passe en branche d'éloignement et vous pouvez voir en bas à droite la piste de Villefranche. Donc on s'éloigne pour revenir en vent arrière pour la 36. Devant nous, la ville de Villefranche, et on vire par la droite pour passer en vent arrière, 36 à Villefranche.
On vire en étape de base. Et nous voilà en finale à Villefranche. Il y a un petit vent de travers et ça rafale un tout petit peu, mais ça va bien se passer. Et on dégage la piste par le taxiway Sierra, le bien connu taxiway Sierra. Vous remarquez qu'ils ont réussi à reproduire à la perfection la scène de FSX. Incroyable, non? Et c'est reparti. On roule pour le point d'arrêt Novembre, par le taxiway Novembre, toujours pour la 36 puisque le vent n'a pas tourné depuis tout à l'heure. Les essais moteurs. Et on roule pour remonter la piste 36. Alignement et décollage en 36.
On a juste ce qu'il faut de nuages pour bien profiter du coucher de soleil qui va pas tarder. Un petit piqué sur la ville de Tarare. Et nous voilà vers Ticalfeur. On vire à droite pour la branche d'éloignement afin de revenir se poser en 33. Sur la droite, vous avez la Loire et vous pouvez apercevoir la ville de Feurs. Nous voilà en vente arrière pour la 33 à Feurs. On devine le terrain sur la gauche. Difficile à voir si on ne le connaît pas. On vire en base. Devant nous, la Loire avec l'écopole du Forez, qui est un endroit où on peut observer des oiseaux et de la végétation locale intéressante. Et on passe en finale pour la 33 à Feurs. On dégage la piste face au soleil et on va rejoindre les hangars. Les voilà. Si vous avez la scène de Feurs, vous verrez là aussi la perfection de la reproduction. Devant vous, notre Fuga Magister exposé en statique. Voilà. C'est fini pour cette petite balade. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.